Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Utin65 et on se retrouve sur les Chevaliers de Baphomet, The Director's Cut, Shadow of the Templar. Donc oui, normalement, on a 80%, on devrait avoir fini, je pense, sur ce live, le premier opus des Chevaliers de Baphomet, de Broken Sword. Allez, on est reparti, ah oui, alors on était ici. Si je me souviens bien, on avait discuté avec le peintre. C'est ça, on continue de clôturer. Salut ce BK. Tout à fait. On va regarder un peu ce que nous disait le truc. Donc oui, on a chopé les... On a chopé ouais, des chapitres. Alors pas des numéros, c'est... Je crois que c'est des psaumes, enfin des chapitres, j'allais dire, oui, de la Bible, qu'il va falloir qu'on trouve maintenant. On trouve, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond. On avait suivi donc l'Obino qui nous avait dit que ils avaient trouvé un truc à l'Institut Hermétique d'Enerval, où il y avait ils avaient fait des fouilles où il y avait une statue de Baphomet. Voilà. Il semblerait qu'elle soit couverte de symboles des Templiers. Et du coup, ce que nous dit Georges, c'est que la statue qu'on a vue, avec les trois têtes, qui correspond aussi, en fait, au miroir qu'a la femme sur le parchemin, ben, c'est la statue de Baphomet. Ça représente Baphomet, donc c'est un dieu, je sais pas, enfin, je suis pas très religieux, donc je sais pas trop. Voilà. Alors, on avait discuté avec lui, ça je me rappelle. Et on peut pas aller là. Je ne pouvais pas accéder à cette porte tant que le garde était là. Bon, en fait, tu sais, Béka, au fait, j'ai dit bonjour, je n'ai même pas demandé comment ça allait. Un homme montait la garde à côté de la porte qui devait mener aux fouilles. Il avait l'air sacrément fier de lui. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Et je crois qu'on voulait aller là, si on est bloqué. Donc, la porte était fermée à clé. Peut-être tu demandais la clé. On va voir. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Je vais aller aux toilettes, mais la porte est fermée. Mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner la clé. Merci. Merci, monsieur, c'est gentil. Oui, par contre, si je n'utilise pas la clé. La porte était fermée. Oui, je sais, Georges, je sais. Mais bon, t'as la clé sur toi, alors bon. Ouais, il est gentil, t'as vu, il nous file la clé. Et salut Mangazor, comment vas-tu? Sympa, il nous file la clé tranquille. Alors. Je n'avais pas besoin de charbon. Ouais, mais il y a un petit tas de charbon. Ah bravo, et l'économie d'eau ici? Ça va. Ils ont laissé couler l'eau. Bon sang du savon sale, comment peuvent-ils faire ça? Je sais pas. Sur le mur, il y avait un sèche-main automatique. Ok. Je ne voulais pas me trimballer avec un morceau de savon sale sur moi. Ouais. Et tu veux pas fermer les robinets d'eau? Ça coule tout le temps. Pas gentil. Et après, on est en pénurie de flotte.
Devant un tel confort, j'en venais à regretter les toilettes syriennes. Cet endroit était bien entretenu. Du moins, il l'avait été jusqu'à ce que je le vandalise. Mais c'était pour une bonne cause. C'est vrai qu'il était bien entretenu jusqu'à ce que j'enlève... Ah, on peut pas la prendre, la chaînette. Jusqu'à ce que j'enlève la chaînette. Et toi ? Avait l'air brûlant. Visiblement, on lui en demandait beaucoup. Ah, tu m'étonnes. Et en plus, on laisse couler l'eau. Alors, qu'est-ce que... Une grosse clé assez vieille était accrochée au porte-clés. Elle semblait correspondre à la porte qui menait aux fouilles. J'ai compris pourquoi je suis là. Vas-y, prends le savon. Je pouvais peut-être faire une copie de la clé. Oui, je fais pas une copie de la clé des toilettes, hein. Je fais une copie de la clé. La clé avait laissé une empreinte bien nette dans le savon. Dans une jolie empreinte. Il y avait l'empreinte d'une clé. Ouais. Alors, maintenant, on va mettre du plâtre. Je savais que c'était une bonne idée de garder le plâtre. Ah ouais, t'as raison. Super bonne idée. Je promène avec plein de trucs qui servent à rien. J'étais sur la bonne voie. J'avais rempli l'empreinte de la clé avec du plâtre. C'est ça, Georges. Vas-y. On ne peut pas faire des moules sans mouiller du plâtre. Allez, maintenant tu fermes l'eau. Mais laisse pas couler. Ne suffit pas non plus. J'avais utilisé le sèche-main pour accélérer le processus. Sinon, on aurait pu le coller à la chaudière, ce qui paraît, elle est brûlante. Bon, ça avait pris du temps, mais je m'étais fabriqué une clé en plâtre absolument pas convaincante. Beaucoup trop fragile pour utiliser dans une serrure. Il fallait que je la remplace par la vraie. Le problème, c'est qu'elle ressemblait à du plâtre, pas à du métal. D'un autre côté, la statue en plâtre en Syrie avait semblé fausse jusqu'à ce que je sois un peu créatif. Peut-être que je pouvais l'améliorer de la même façon. C'est vrai qu'on a été créatif. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Peut-être pas. Ouais, je vois bien. Allez, hey, on va monsieur, remonter. Ne partez pas avec mes clés. Ah oui, non, je te les rends, tiens. Attention, j'ai une petite vessie. Qu'est-ce qu'il y a ? Voici vos clés, merci. Merci, monsieur. J'ai une toute petite vessie, alors possible que je te les redemande d'ici... Au revoir, monsieur. 2 minutes. On va essayer de la peinturer en jaune. Eh, hey, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok, ben j'espère bien. Touchez à la peinture des autres, ben... Oh... Te distraire, toi. Le peintre n'avait pas l'air de considérer la peinture comme un art. Elle n'avait pas autant d'importance que sa pose cigarette, en tout cas. C'est vrai. C'est vrai que ça... Après, bon, en même temps, c'est un peintre en bâtiment. On ne va pas considérer une peinture en bâtiment comme un art. Je crois que c'est un téléphone, ça. Je peux utiliser le téléphone. Je vous en prie. Moi, je dois garder cette porte. Que le téléphone se débrouille. D'accord. Collard, l'appareil. Nico, c'est moi. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis là où il y a les fouilles, mais ils veulent pas me laisser entrer. Bon sang, il faut qu'on sache ce qu'ils fabriquent là-dedans. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, mais j'ai besoin de toi. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ? Je voudrais que tu retiennes quelqu'un au téléphone pendant quelques minutes. Qui ça ? Un peintre. J'ai besoin d'avoir accès à ses affaires. Ah, ok. Ne bouge pas, je vais le chercher. Tu séduis un peintre. Par téléphone. Salut, c'est encore moi. Quoi, encore ? On vous demande au téléphone. Vous êtes sûr ? Une femme. Elle avait l'air assez olé olé, si vous voyez. C'est sympa de parler de Nico comme ça. Une femme. Vous devez vous tromper, monsieur. Elle a demandé à parler à son étalon à la coupe musclée et aux doigts jaunis par la nicotine. Une assez bonne description, je dirais. Reculez, il faut pas que cette pauvre femme attende son étalon. Alors, est-ce que maintenant je peux... Oui, il va pas m'arrêter, maintenant je peux la... Je peux la peinturlurer. Ok, du coup... Le plâtre avait bien absorbé la peinture. On aurait presque dit une vraie clé, mais au toucher, c'était moins convaincant. Ah. Mais je sais comment y remédier. Parce qu'il a dit qu'il allait monter le chauffage, sinon il est obligé de mettre ses gants. Eh bien, monsieur, quelle drôle de femme. Elle paraissait folle de moi, hein. Et puis elle s'est mise à se moquer de moi. C'est vrai ? Oui. À se moquer méchamment de moi. Ah, il faut que je finisse ma cigarette. Et, monsieur, si elle appelle encore, je suis pas là. D'accord.
Ouais, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vous avais dit que j'avais une petite vessie. Il faut que je... aux toilettes. Ouais, faut que j'aille aux toilettes. Encore? Déjà? J'ai un petit problème. Vous voulez que j'entre dans les détails? Non, non, voici la clé. J'ai mangé un truc pas frais. Avant, par contre, j'aimerais bien toucher à ça. J'éteignais le chauffage et j'attendis. Eh, hey, il se les caille. Comme je l'espérais, voilà. Le garde avait mis ses gants. J'avais remplacé la clé qui menait aux fouilles par sa copie en plâtre. C'est seulement en la touchant qu'on et tout ça en ayant les mains dans les poches. Oui, parce que sinon il aurait vu. Il a quand même la champ de vision. Tiens, prends tes clés. Ouais, bonjour. Ça, c'est une digestion pour notre Georgie. En espérant qu'il ne remarquerait pas la substitution. Voici vos clés. Merci. Merci, monsieur. Après la quantité de travail que m'avait demandé, je n'avais oui, pas montré aux gardes à quel point j'avais été malin. Oui, oui, non, mais j'ai oublié qu'on était en dialogue, Georges, désolé. Je voulais la faire glisser ici. Oui, bon, oui, en même temps. Non. Peut-être que Nico peut encore m'aider, après tout. Salut Nico, c'est encore moi. Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Qu'est-ce que tu as raconté au peintre? Je préférais ne pas le répéter. Bon, cette fois c'est du garde dont il faut que je me débarrasse. Tu pourrais rappeler et demander au garde de prévenir de nouveau le peintre? Ok, je rappelle. Ça me paraissait être un bon endroit pour voir comment les choses évoluaient. T'as raison, Georges. Hé, hey, vous, téléphone. Ah oui, qui c'est? Et qu'est-ce que j'en sais? Tu me prends pour ta secrétaire sociale? C'est pas une poule, au moins. Si, c'est une femme, tu vas répondre ou pas? Est-ce qu'elle a une voix chaude et sensuelle comme du chocolat suisse? Ouais, ah, ouais, elle a une... Je ne veux pas lui parler. Ah, mais je peux pas bouger. Tu préfères perdre ton temps à discuter avec moi? Je veux dire que je refuse de lui parler. Tu refuses? Tu refuses? Ah, je perds un temps précieux, là. Ne me fais pas rire, un temps précieux. Tu restes planté là toute la journée. J'ai un travail avec beaucoup de responsabilités. Oh, et une clé en plâtre. Espèce de Michel-Ange de pacotille. Mon travail est essentiel. Sûrement pas, sinon ils auraient engagé quelqu'un de compétent. Ce qui veut dire? Qu'ils ont employé une potiche, un pseudo-flic comme toi. Tout dans les épaulettes et rien dans le cerveau. Ah, parce que toi... Je me disais qu'ils allaient en avoir pour un bout de temps. C'était l'occasion rêvée. C'est bon, ils se fritent, on les laisse tranquilles. Ah! Ah, ah bah, c'est la même statue qu'il y avait en Syrie, ouais. Alors, il y a quoi là? Je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire avec les planches. Oui, mais c'est pour ça qu'on regarde. On peut descendre, je vois rien d'autre. Ça ne faisait aucun doute. C'était le même genre d'idole que celle que j'avais vue en Syrie. Baphomet. Les Templiers avaient dû passer par ici. Du coup, ils vénéraient Baphomet ? Le dessin était vraiment abstrait. Il partait d'un axe pour se préciser sur un point précis. On peut utiliser quelque chose. Difficile de croire qu'il s'agissait du même calice. Maintenant, la lumière brillait sur sa surface parfaite. Dis là-dessus. Gros plan. Je mettrais bien calice, moi. Vraiment abstrait. Il partait d'un axe pour se préciser sur un point précis. Ouais, il part d'un axe, donc oui, il faut un truc rond. Le seul truc rond que j'ai, c'est le calice. Un rond cylindrique. Ah, ça voilà, fait... Les formes du calice le rendaient ah, c'est joli. Net, l'image d'une église. On va où aujourd'hui, Georges? J'ai trouvé à quoi servait le calice. Tu as résolu l'énigme? Ouais, il y avait une image déformée là où était Baphomet.
Quand j'ai regardé son reflet sur la surface lisse de la coupe, l'image s'est modifiée. Il va peut-être pouvoir commencer ses vacances, ouais. L'église avec une tour carrée. Image d'une église avec une tour carrée. Non. Non. Regarde à quoi ressemble le calice maintenant. Oui, non, mais on lui a déjà dit ça, Georges. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il brille? Le prêtre de Montfaucon l'a astiqué pour moi. C'est ouais, incroyable. Titre. Ouais, il est comme neuf. Non, ce qui est incroyable, c'est que tu puisses trouver une utilité à un prêtre. J'adore que tu puisses trouver une utilité à un prêtre. Je trouve une utilité à tout, moi. Mieux de rendre le calice à la comtesse. Retourne-y vite, Georges. Ah oui, ce serait pas bête, ouais. Après tout, c'est son calice. Hein. Puis en plus, on a découvert où était enterré son aïeul. Celui qui n'est pas enterré dans la crypte de Vasconcelos. Il a dit qu'ils étaient 6, mais qu'il n'y en avait que 5. Je me souviens bien, dans la crypte, il n'y avait que 5 personnes. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, Lopez. Et son tuyau d'arrosage. Et qui s'appelle Lopez? L'homme ou le tuyau d'arrosage? Si je me souviens bien, oui, c'est ça. Il y a 5 tombes et il devrait y en avoir une 6e normalement. Les deux s'appellent Lopez. Bon, on va lui parler quand même à Lopez. Maintenant, il va être sympa avec nous. Salut Lopez, ça boum, Señor Stobart. Comment je suis content. Hey, ouais, il est content de nous voir. Vous allez bien? Très bien, merci. La comtesse est là? Elle vous attend. Suivez-moi. C'est bon, je connais le chemin. Señor Stobart, je crois que je vous dois des excuses. Mais non. J'ai été très désagréable lors de notre première rencontre. Écoutez, c'est pas faux. Lopez, on oublie tout. Je suis arrivé ici comme un marchand de tapis. Je réagis de la même j'ai manière. J'ai même pas vendu un seul tapis. Vous ne comprenez pas. En retrouvant le calice, vous avez redonné à la comtesse le goût de la vie. C'est merveilleux. Elle sourit. Elle rit même. Les gens disent qu'elle sous Prozac. Sous Prozac, bon. Ben non, elle a juste découvert alors un calice. La comtesse pense que la malédiction est levée. Il ne l'écrirait pas si fort. La découverte du calice était la preuve que les Templiers n'avaient pas abandonné les De Vasconcelos. Et ça signifie beaucoup pour madame. D'accord, bon, on va y aller, Lopez. Adios, Señor Stobart. On va aller lui rendre son calice. Par contre, j'aimerais bien que tu me rendes mon tensiomètre. Parce que je vois que tu peux arroser maintenant, c'est que tu l'as enlevé du tuyau. Ah, j'aurais pu lui faire une blague. Non? C'était juste une buanderie sans issue, à moins d'envisager la fenêtre. Non, on peut pas lui faire une blague. Il y avait un petit miroir accroché au-dessus de l'évier. Ouais, et comme Georgie aime bien prendre tout ce qu'il y a, prends. On va aller voir les chiens. Mais bon, les chiens ne devront pas nous aimer encore. Ouais, c'est ça. Mais on s'en fout, Lopez, il est content maintenant. Allez, la comtesse. Seigneur Stobart, quelle bonne surprise. Asseyez-vous. Bonjour, comtesse. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai rapporté le cas. Oui, qu'elle... Ah non, elle sourit plus. Ah si, elle sourit un peu. Oh, vous l'avez nettoyé. Ah, pas moi, c'est un prêtre qui a fait ça. J'ai rencontré un prêtre sympathique qui l'a fait pour ah, moi. Ah, voilà. Alors vous avez résolu le mystère des Templiers? Non, pas encore. Je ne sais toujours pas ce que je recherche. Il y a de nombreuses histoires qui courent sur les richesses cachées des Templiers. En tout cas, tout ce que je veux, c'est empêcher les autres de mettre la main dessus. Ah, être jeune et vivre dans un monde pur et fraternel. Tout à fait. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire grâce au calice. À Paris, j'ai trouvé une église où ils ont reconnu le blason. J'ai trouvé la tombe de Don Carlos de Vasconcelos. Vous en êtes certain? Il n'y a pas d'erreur? Le blason et le calice correspondent parfaitement avec celui de la tombe. Incroyable! Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je dois m'y rendre au plus vite. Je serai heureux de vous servir de guide.
Ce qui veut dire le blason qui est sur le calice correspond au blason qu'il y avait sur la tombe, parce que le blason et le calice... Je crois qu'il y avait un blason des deux Vasconcelios dessus, et ça doit être le même sur la tombe, si je me rappelle bien le live précédent. Il y avait autre chose de gravé sur la tombe de Don Carlos. Des annotations bibliques. Quelles annotations, Seigneur Stobart? Psaume 32, 7, Corinthiens. Je ne connais pas tous les chapitres de la Bible par cœur. Vous ne savez pas à quoi renvoient ces références. J'ai oublié de demander au prêtre. C'est vrai qu'on aurait pu demander au prêtre. Il aurait pu nous renseigner. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Eh ben, j'ai un beau manoir du coup, si c'est chez moi. J'ai fini par réussir à éloigner le garde pour entrer un site de fouille. J'ai trouvé à quoi se servait le calice. Grâce aux indices trouvés en Syrie et en Espagne, j'ai mis le calice devant la statue de Baphomet. Et l'imagine église est apparue à la surface, mais on sait toujours pas qu'est-ce que c'est que cette église. La comtesse avait très hâte d'entendre ce que j'avais découvert dans le tombeau de son disparu, Don Carlos de Vasconcelios. Ah, elle a confiance, hein. Ouais, le prêtre aurait été bien placé pour cette info, ouais. J'ai oublié. Et du coup, est-ce que je peux repartir? Là, il y a le problème. Ou alors, il y a peut-être la Bible dedans. Je peux pas repartir, je peux peut-être... C'était l'allée qui menait à la route, mais je ne pouvais pas repartir aussi vite. Ah, je savais bien que tu voulais pas repartir. On va chercher la Bible. Il y avait la Bible, là. Celle qui cachait... comment ça s'appelle? L'échiquier derrière. C'était la Bible espagnole que j'avais subtilisée dans le mausolée. Ouais, mais on l'a pas subtilisé, en fait, on le ramène à la comtesse. On sait pas toujours à piquer les trucs, Georges. Parce qu'elle a dit que c'était comme chez nous, que on peut prendre comme ça. C'est encore moi, puis-je m'asseoir? Faites donc. Voilà, je trouvais ça. Bible du mausolée. On aurait pu y aller tous les deux directement, mais bon. Commençons. La première référence, psaume 32, 7. Voici ma cachette. Elle me préservera des épreuves. Elle me consolera en célébrant la liberté. Ma cachette. Ne soyez pas trop optimiste. Il ne s'agit peut-être que du calice. Oui, vous avez raison. La suite. D'accord. Jean 4, 11. Jean 4, 11. Voilà, le puits est profond. La suite, vite. Oui, Corinthiens 4, 5. Vite, la suite. Ramènera à la surface les choses enfouies. Quelque chose d'autre? Encore un, toujours les psaumes 22, 21. Sauve-moi de la gueule du lion, toi qui m'as entendu sonner l'olifant des licornes. Le dernier est confus. Des lions, des licornes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne vois vraiment pas. Il nous faut porter notre attention sur la cachette et le puits profond. Le mausolée n'est certainement pas un puits, monsieur Stobart. Y a-t-il un puits dans le domaine? Je ne sais pas. Il y a dû y en avoir un dans le temps. Il faudrait mieux demander à Lopez. Quoi, il est là depuis plus longtemps que vous? Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. En fait, Lopez, il est à Milan. Salut, Lopez. Vous avez une minute? Certainement, seigneur. Que puis-je faire pour vous? Est-ce qu'il y a une pluie? Il faut que vous sachiez tout au sujet de cet endroit. Si. J'ai passé toute ma vie ici, au service des de Vasconcelos. Savez-vous s'il y a un puits dans le coin? Un puits? Si, seigneur. Cette villa était, il y a longtemps, une place fortifiée. Comment tiendriez-vous un siège sans eau? Très bien, où est-il? Comment les saurais-je? Les puits furent condamnés au siècle dernier. Trop dangereux. Et vous n'avez pas la moindre idée? Aucune.
Il était déjà enfoui du temps de mon grand-père. Ah mince. Ah oui, c'est embêtant ça. Bon, au moins il y a un puits. Il devait être du côté de l'ancienne maison, c'est-à-dire pas loin d'ici. Ici. D'accord, elle était où l'ancienne maison? Il y a peut-être un moyen. Laissez-moi réfléchir. Alors ça vient? Pas encore, seigneur Stobalt. Il doit encore réfléchir. D'accord. Alors ça vient? Pas encore, seigneur. D'accord, il est en boucle. Bon bah, plus. Et qu'est-ce que je fasse du coup? Je vais attendre quoi? Ah, nous avons traduit verset sur le tombeau de Don Carlos. Donc une cachette, le puits profond, apportera la lumière à ce qui est caché. Protège-moi de la bouche du lion, ce sont les versets du tombeau. Mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Oui, ça c'est vrai. Ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a une grosse bougie, est-ce que je peux l'allumer? D'accord. Bon, on va essayer. Là, même pas besoin de cliquer sur l'indice. Hein. Au loin, ben, c'est beau. Vous pouvez voir la mer s'étendre à l'horizon. La vue était splendide. Elle faisait penser à une image du manuscrit. Ah, mais laquelle? J'arrive pas à voir laquelle. Quelle image il parle. Alors. Suspendu au plafond, il y avait une énorme bougie jaunie par le temps. Elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir jamais servi. D'accord. Est-ce qu'on peut l'allumer? C'est quoi ça? Trop tout pour être déplacé. Le jeu dit c'était que. C'était une baguette avec un cône et un crochet au bout. Elle devait servir à éteindre la grosse bougie du chandelier. D'accord, mais est-ce qu'on peut s'en servir pour allumer la grosse et bougie? Non, il n'y avait rien à éteindre. Un peu gêné, je la reposais. D'accord. C'était le mouchoir détrempé que j'avais trouvé dans les égouts. C'est vrai qu'on a ce mouchoir hein, qui est plein de maquillage. Jamais. Un peu inflammable des fois le maquillage. Ah bah voilà. Vas-y, allume la bougie. Oui, allumé. Eh ben non. L'étoffe était assez carbonisée, mais c'était surtout le maquillage qui l'avait brûlé. Ouais, du suspendu coup, au plafond, il y avait une énorme bougie jaunie par le temps. Elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir jamais servi. Non, hop. Oui, parce qu'en plus il parlait de d'apporter la lumière à ce qui est caché. Donc c'est vrai que c'est pas con d'allumer la bougie. Ouais, elle n'arrête pas de s'éteindre. Est-ce qu'on peut fermer ça? Ah oui, on peut fermer ça. Boum. Allez. On retente avant d'avoir tout carbonisé, là. On va foutre le feu à tout le domaine. Je sais pas quoi trop à quoi ça m'a servi, mais bon, pas grave. En même temps, ça nous fait patienter. Il nous a demandé de patienter. Ah, il y a un truc dedans. Monsieur Lopez, il nous avait demandé de patienter. La bougie avait brillé avec éclat, mais pendant quelques minutes seulement. Une formule spéciale, sans doute. Une forme complexe taillée dans une pierre. Ça devait être une sorte de clé. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. La bougie du mausolée cachait une sorte de clé en pierre. C'était une pierre lisse, bizarrement ciselée, qu'on avait dissimulée à l'intérieur de la grande bougie. D'accord. Bon. Ouais, j'ai de la lumière maintenant. Après. Le mausolée des Devas Conseillos, où j'y suis. Y'a pas grande lumière qui. Enfin, on n'a pas grand besoin de lumière, il fait jour, quoi. Il y a un sigle des Templiers là. Hop. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, seigneur. Que puis-je faire pour vous? J'ai trouvé ça dans la Savez-vous bougie. Savez-vous ce que c'est? Non, seigneur. Une sorte de clé?
Oui, je crois que c'est ça. Où l'avez-vous trouvée? Elle était cachée dans la grosse bougie du mausolée. Et ouais, on l'a fait brûler. Bah oui. Je me demandais ce que c'était que cette lumière qu'il y avait. Ah bah oui. À travers la fenêtre. Il a vu de la lumière, lui aussi. Madame va être furieuse. La bougie avait des siècles. Ah. Oups. Oups. Oui, mais on a récupéré un truc. Alors, ça vient? Nous cherchons une source, si. Oui. Depuis des générations, les paysans espagnols ont un secret pour trouver des sources, même très profondes. Oh, vous n'êtes pas en train de parler de baguette de sorcier, non? Hein? Vous savez, vous prenez une brindille et vous marchez jusqu'à ce que le brindille vacille et se plante. Oh, vous en avez entendu parler? Je crois qu'une bonne partie de la planète aussi. Bon, cherchons une branche. D'accord, on va devenir sorcier. Ça doit être une des branches spéciales. Une Y de noisetier. Bon, vous avez des noisetiers? Si, ici. C'est tout un noisetier. Et où? Ici, t'as même pas montré, c'est ça? Ça, c'est un noisetier? Je sais pas à quoi ça ressemble. Alors voilà à quoi ressemble un noisetier. Ah bah voilà, ça ressemble à ça. Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Je n'y crois pas. Il n'y avait pas une seule branche en forme d'Y dans tout l'arbre. Oh bah tant pis, on va aller voir la comtesse. On va lui dire qu'on a cramé sa bougie. Voir si elle le prend mal ou pas. C'est encore moi, puis-je m'asseoir? Faites donc. Après tout, elle a dit qu'il pouvait faire comme chez lui. Qu'est-ce que vous feriez de ça? Cela ressemble à une clé. Où l'avez-vous dénichée? Elle était cachée à l'intérieur de la grosse bougie dans le mausolée. C'est ça, c'est un accident. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai allumée. Mais elle est irremplaçable. Ah bah là, elle est cramée. Elle devait être allumée en cas d'attaque des morts, c'est ça? Eh bien, elle a brûlé en un rien de temps. Ah mince, ils ont mis le visage du mauvais côté. Ils ont animé le mauvais personnage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il ne fallait l'allumer qu'en cas d'urgence. Or, c'en est une. Oh diable, ma sensiblerie. Il faut résoudre ce mystère. Vous avez bien fait. C'est ça, ce béga. C'est un accident, madame. Bon, je l'ai allumé une fois. Ça, c'est elle s'est éteinte. Du coup, j'ai fermé une fenêtre. Et j'ai rallumé. Et là, elle a cramé. Mais c'était vraiment un accident. Le feu lui est tombé dessus. Sur un bâton. Sur un mouchoir que j'ai mis au bout d'un bâton. Mais c'est tout. Voilà, et oups. ok. Bon, il faut qu'on trouve un noisetier. Parce que là, je vois pas qu'est-ce que je pourrais lui poser. Pas question. Ouais, à part ça, tout le reste, je veux dire... Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. S'il faut, je récupère des trucs dont j'aurai besoin plus tard. Hein. Parce que là, pour moi, le miroir, le truc, enfin, je vois pas, je vais pas exciter. Tiens, c'est pas un noisetier, ça? Ça ressemble pas à celui de là-bas, mais bon. Jamais. Alors voilà à quoi ressemble. Ah si, ça ressemble à un noisetier, d'accord. C'est un arbre, quoi. Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Ah, ah. Triple bingo. On a Y. Oui, ça évitera de les chercher tout à l'heure, parce que si on en a besoin, à mon avis, on en aura besoin plus tard. Salut Lopez, vous avez une minute? Ça évitera de les chercher, c'est ça, c'est au cas où. Que puis-je faire pour vous? J'ai trouvé un bâton. Bon, j'ai ma baguette magique. Et maintenant? Rien des plus facile, seigneur. J'ai des poches magiques, baguette magique, ça ressemble un peu à Harry Potter, non? Resserrez-vous un peu les deux bouts afin d'étendre la brindille. Vous pourrez ainsi remarquer la moindre vibration et marcher d'accord lentement dans les coins. Ça semble d'accord très facile. On va le trouver, ce puits, rapidement. Oui, encore faut-il que le puits soit encore plein d'eau. Et que Lopez n'utilise pas d'eau. Qu'est-ce qu'il fait Lopez? Il creuse une tombe? En fait, il creuse un puits. Lopez, il nous troll. Ah mais Lopez, pourquoi t'as pris un livre aussi de la même couleur que ton tablier? Ça fait bizarre du coup, on voit pas trop le livre. En même temps, il est de la même couleur aussi que la veste à George, la couverture du livre. Sobalt, vous avez trouvé quelque chose? Ça y est, peut-être. Le secret des Templiers est ici, enfoui depuis des siècles, perdu pour les hommes.
Jusqu'à aujourd'hui, le mystère est percé. C'est où les boîtes des conserves? Je me suis démené comme un diable avec une brindille dans les mains pour une boîte de conserve. Elle est remplie. Ah voilà. C'est pour cela que la baguette du sorcier l'a détectée. Il faudrait vérifier avec un archéologue, mais je ne crois pas que les Templiers avaient pu laisser ça. En fait, Seigneur Stobart, les gazons a été planté il y a très longtemps. Cette boîte peut très bien dater des guerres napoléoniennes. Balancez-la, je recommence. Lopez lança la boîte. Elle sembla tomber pendant des siècles. Le bruit qu'elle fit en atteignant l'eau confirma ce que nous pensions. Je veux bien être pendu. C'était là sous notre nez. Tout ces temps, et personne ne l'a trouvé. Nous restâmes un instant stupéfaits. Il aurait pu jeter à la poubelle, Lopez, le jeter par-dessus son épaule. Il aurait pu y tomber des centaines de fois. Puis en plus, c'est lui qui s'occupe du jardin, et il a même pas vu une pauvre petite boîte qui traînait. Bien, bravo. Ah, une tête de lion. Le puits avait été abandonné depuis des années. L'air y était frais, mais ce n'était pas ça qui me donnait la chair de poule. J'ai un très très mauvais pressentiment. Pas moi. Non. Pas du tout. Ah, il a de la force dans les bras, t'as vu? Je sais pas combien il doit faire, 70-80 kilos, genre. La gueule du lion était impressionnante. De plus près, elle était effrayante. Hé, une des dents bouge. Je distinguais un bruit de pierre qui s'entrechoquait. J'étais en danger. Oups. Ah, où ah ça va? Très drôle, bande de cinglés. Seigneur Stobart! Seigneur Stobart! Rien de cassé? Ça va, Lopez. Je n'ai rien. Que susto me has dado! Vous m'avez fait peur. Bien joué, Templier. Du coup, est-ce qu'on peut y aller? Il fait un peu sombre, peut-être? La lampe de Liri aurait été la bienvenue maintenant. Je n'y voyais rien et je devais y aller à tâtons. Cela ressemblait à un mur en pierre. J'avais failli être tué en sauvant un harensort. J'ai pas compris moi ce truc là, harensort. Sauvant un harensort. On peut pas y aller. J'ai pas de lumière. Mais tu veux pas y aller du coup? La lampe de Liri. Ouais. Cela j'avais... là on a de la lumière. Et on a un miroir. C'était une longue chute. L'éclatant soleil de midi, bien qu'à l'aplomb du puits, ne parvenait pas à en éclairer le fond. Parce qu'il doit être bien profond, son puits. Quand on a j'avais un miroir. Que je pouvais utiliser le miroir pour réfléchir la lumière qui venait d'en haut. Voilà. Au milieu de la porte, je distinguais des encoches. Mes affaires semblaient s'arranger. Ouais, enfin... miroir, je suis d'accord, mais... là, on n'y voit toujours rien. Peut-être si on peut pas passer, peut-être remonter voir Lopez. Maintenant, je savais ce que je cherchais et cela ne prendrait que quelques instants pour le trouver. Et voilà une petite cavité aussi lisse et douce que si elle avait été creusée la veille. Ok, j'imagine que tu mets la clé là-dedans. J'avais glissé la clé de pierre dans la serrure. Assise, lumière. Il y avait des boutons pour tourner les cadrans. Ok, bouton pour tourner les cadrans. Tu devais avoir fait une erreur. La serrure s'était remise en place et avait failli m'arracher le doigt. J'allais devoir tout recommencer depuis le début. Ça tombe bien, Georges, on n'a pas commencé. Donc il y a des chiffres romains. Est-ce que ce ne seraient pas les chiffres romains qu'on a notés ici? Pas ici, ici. 15 et 14 et 28 sur le dessus. Il y a, à chaque fois, il y en a deux. À chaque fois, il y en a deux. Alors, fais voir. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc, on a les unités. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, donc unité dizaine. Voilà, du coup... 14. J'imagine qu'il va falloir tous les faire.
J'avais entendu le bruit de la serrure qui s'accrochait. Ouais, c'est ça, ils vont pouvoir tous les faire. Ça, soit le mur qui allait s'écrouler sur ma tête. C'est bon, t'as failli avoir déjà un lion qui est écrasé, c'est bon. Oui, 14, ok. 27, pardon. 27. 20. Ce que je vais faire, par contre, je vais me prendre un petit papier. Ce sera plus simple. Désolé, hein. Je vais pas me prendre un petit papier. Ça m'évitera de rouvrir le truc à chaque fois. Hop. On va faire quand même le 27. Ah, 14, 7. Hop là là. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut vraiment que je me plante pas parce que je les écris à la. En chiffre arabe et pas en chiffre romain. c'est vrai, il est presque mort plusieurs fois. Ouais. Il est plus à ça, mais t'as tout à fait raison. Ah bah t'inquiète, je suis comme toi, Zobeka, je prends des trucs sur les feuilles volantes. À part les pauses pendant les lives qui sont que je note sur un petit carnet que m'a offert ma compagne. Alors du coup j'ai dit 6. Donc 50, 60, 70, 81. 3. 1. 17. Et 25. Voilà. On va noter tous les chiffres comme ça. Hop. On les aura pour. Il faut juste que je me mette pas loin. Continue. Du coup, on a dit on a fait le 14 et le 27. Ok. Donc 6. Ok. 81. Non, le truc qui va être chiant, c'est que vu que j'ai pas noté de titre rien, je vais plus me rappeler de quoi c'est quand je vais sortir le papier. à quoi ça correspond. 83. 3, ça va être chiant. Moi, quoique non, on n'est pas très loin du vide, c'est bon. Et ensuite, c'était 1. Ensuite 17. T'as un papier avec des notes de 2021. 17, c'est bon. Ensuite, on avait 12, donc je peux rester au 10. Et jusqu'au 2. Ok, et le dernier, c'est 25. Moi, j'ai des papiers partout. Hein. Si vous voyez mon bureau. Avec des horodates de fichiers de sauvegarde. D'accord. Et voilà. Normalement, c'est bon. C'était tout, non? Oh, ah yes. Oui. J'ai eu peur. Que j'aurai des points de bonus pour ça. Je savais que les doigts de fée de Stobart ne me laisseraient pas tomber. Ah, pour ça, si tu t'en souviens, ça va. Oui, parce que si t'as pas mal noté le nom du jeu, des fois. Ouais, ben là, ça c'est bon, c'était juste pour celui-là. Je vais me mettre BS, je vais marquer BS dessus, et voilà. Ah, tiens. Des cadavres, youpi!
Une tapisserie qui ressemble à un échiquier. Ok. Avant de partir, cependant, ouais, il faisait un câlin. Quelque chose à faire. Et ça veut dire d'être des cadavres d'enfants quand même. Vous n'aurez plus besoin de cette copie, comtesse. C'était des enfants qui faisaient un câlin. Donc s'il faut, l'évêque avait livré. Avec les enfants. Vous voulez certainement rester seul un petit moment. Je resterai dans le jardin avec Lopez. S'il faut, l'évêque de l'époque, là, il disait qu'ils avaient tué les serviteurs, mais ils n'avaient pas touché aux enfants, ils n'avaient pas récupéré les enfants. Tu es de retour. Entre, George. Donc c'était vrai. Je suis contente de te revoir. Vraiment ? Oui, on n'a pas fait la même chose. Bah, j'ai vu le câlin, mais j'ai vu aussi qu'as-tu trouvé en Espagne ? Sans André, nous n'aurions pu avoir... Des eaux, quoi. Oui, je sais. Les indices menaient à une chambre souterraine. Je pensais qu'il y avait... Les Templiers avaient laissé... J'étais persuadé qu'il y avait un dialogue. Un échiquier. Les pièces blanches étaient largement dominées. Il y avait un ruisseau qui traversait l'échiquier et un Templier à cheval. Est-ce que ça te dit quelque chose, André ? Non, rien du tout. Peut-être que tu devrais dire à André ce que tu as trouvé d'autre, George. Il y a une carte et une inscription en latin. À l'ouest, à la limite du monde. George a trouvé ça dans une grotte en Syrie. Ouais. Ça c'était l'Angleterre, ça. A failli m'avoir. Et on a aussi le bûcher de Jacques de Molay et la date, 1314. Qu'on a eu sur le vitrail de l'église de la place de Montfaucon. Un des rares endroits où personne n'a essayé de me tuer. Il y a aussi l'image montrant une église que George a trouvée dans les fouilles. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait essayé de t'éliminer là-bas non plus. Et pour finir, nous avons la tapisserie en Espagne. Là-bas non plus, on n'a pas su te tuer. Bah, heureusement. Non, mais ça ne devrait pas tarder. Ce sont uniquement mes réflexes de félin qui m'ont sauvé d'une mort inéluctable. Tes réflexes de félin, hein. Ouais, c'est un gros chat qui nous a attaqué. Où étais-tu, André ? Tu usais tes lunettes à regarder un vase étrusque ? Bon, ça suffit, les garçons. Est-ce qu'on pourrait sauver le monde ? Bien sûr, je m'excuse. Je me demande pourquoi ils ont ce Guéguerre. C'est ainsi qu'il décrivait l'Angleterre. Tu es sûr ? Bah... La carte ne ressemblait pas vraiment à l'Angleterre. Bah si, un petit peu quand même. Pourquoi César décrivait-il la Grande-Bretagne comme la limite du monde ? Pour les Romains, la Méditerranée était le centre de l'univers. L'Angleterre était un endroit éloigné, inhospitalier, peuplé de sauvages peinturlurés en bleu. Ça n'a guère changé. Ça, c'était l'Écosse. Ils ne se peignent pas en bleu. Sauf quand il y a un match de foot. Ils utilisaient oui, mais c'est l'Écosse. Une plante appelée la guêde, Lysatis tinctoia. Les Écossais l'utilisaient encore, il n'y a pas si longtemps, quand ils se battaient contre les Anglais. Il n'y a pas si longtemps ? Je ne me souviens pas d'un conflit entre les Écossais et les Anglais. Que signifie pas longtemps pour toi ? Je pense que les hommes de William Wallace l'utilisaient au XIIIe siècle. Ils l'ont sans doute utilisé jusqu'en... La mémoire commence à flancher, hein ? 1314. Ah, nous y revoilà. André, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux dire ? 1314, en Écosse, la bataille de Bannockburn. Ça expliquerait le ruisseau sur l'échiquier. Le mot burn veut dire ruisseau en vieil écossais, n'est-ce pas, André ? Comme dans Bannockburn. Exactement, et il y a mieux. La légende veut que les Écossais furent aidés par une armée de... Vous devinez pas ? De chevaliers. Templiers, imagine. Une armée de Templiers dissidents. Leur intervention a été capitale pour la victoire des Écossais. Et tout se termine à l'église. En Grande-Bretagne, à Bannockburn, dans une église. Qu'est-ce qu'on attend alors ? J'appelle un taxi. Je peux pas y aller. André, tu as vraiment été d'une grande aide, mais... Ce que George voulait dire, c'est que tu n'as pas de sentir coupable. C'est ce que je voulais dire ? Oui, on comprend, t'as pris d'autres engagements. Écoute, faut y aller, laisse tomber le taxi, George. On va éclaircir tout ça. Et ne t'en fais pas pour nous, surtout. Je pense que c'est surtout le fait que il a échappé à la mort plusieurs fois en fait. Ok, donc on est dans un train. Une Norvège comme Angleterre. Alors on a quoi ? On a ça. On a mis quoi à côté de nous ? On peut pas la sectionner. On a une dame devant. Ok, on va parler avec la dame. Excusez-moi. C'est pas une dame. Elle doit être sourde. Non, elle est pas sourde. C'est Savez-vous à quelle heure nous arrivons à Stirling ? Non mais... À 6h moins le quart, mais nous avons 8 minutes... C'est Merlin ou Khan ou je sais plus comment il s'appelle. Il a les mêmes traits et j'ai l'impression qu'il a une cicatrice là ou un tatouage. Est-ce que le nom de Merlin vous dit quelque chose ? Merlin l'enchanteur. Oh, vous avez dit Merlin. Alors non, rien. Est-ce que tu veux un petit coup de jus ? Oui, bien sûr. Un jeune ami à moi m'a serré la main avec ce machin l'autre jour. Non, ah ouais, c'était moi. Scandale. Il devrait être pendu. Peut-être, mais ses intentions étaient pures. Je suis désolé que vous ayez été la victime d'un de ces trucs. Mais non, ça n'était rien. Il a pas l'air si rancunier que ça. Hein. C'est sûr, c'est Merlin. Il a les mêmes traits, il a le même pif. Et puis en plus,
Il fait pas très vieille dame, quoi. Si je vous disais que c'est ce nez de clown qui nous a réunis dans ce train ce soir, le croiriez-vous? Certainement. Non, sérieusement, vous le croyez? Mais oui, vous semblez être un... C'est ça, et dans 3 secondes, il essaie de me tuer. C'est un nez qui a une histoire, c'est sûr. Si vous le dites... Le truc, c'est que bon, il y a Nico, quand même, bon, qui essaie de tuer George, bon, il a fait une mauvaise blague en Syrie. En même temps, il essaie de le tuer aussi. Voilà. Quel livre lisez-vous? Oh, je l'ai pris à la gare. Un policier médiéval, pas mal écrit pour un ouvrage de ce genre. Il a été épuisé pendant des années. D'accord. Connaissez-vous bien Stirling? Oui, bien sûr. C'est là que vous vous êtes rencontrés, mes deux tourtereaux. C'est-à-dire que... On avait pensé y venir en vacances. Ne manquez le château sous aucun prétexte. Je suis sûr qu'il est magnifique, mais nous ne sommes pas très vieilles pierres, hein, Georges? Non. Elle a pas, elle a rien dit pour le tourtereau, quand même. Y a-t-il une église nommée Saint Ninian's à Stirling? Oui, bien sûr. Et je sais pourquoi vous y allez. Ah oui? Bien sûr. Cela crève les yeux que vous vous aimez. Vous l'enlevez pour vous marier. Comme c'est romantique. Elle proteste pas. Nico ne proteste pas pour le moment. Quel est le titre de votre livre? Les cabrioles du cocasse croisé, de Molly Pigram. Je croyais que l'auteur était une femme, mais apparemment non. Son vrai nom est... Professeur Nigel Pigram. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais George est un de ses grands fans. Ah oui, d'accord, donc il a pris un nom de femme pour écrire un livre. Okay. Ce qu'il veut, hein. Je vois pas pourquoi changer son prénom et pas son nom, du coup. Si vous voulez prendre un nom de plume, autant faire les deux. Du coup, on discute avec la vieille dame. Et on peut juste sortir, c'est tout. On peut rien faire d'autre. Rien faire d'autre, ok. Eh ben, on va aller faire, on va faire un petit tour. On va faire pipi. Il faut que je te l'épelle. Pas la peine de t'énerver. Si tu vas pisser, tu n'as qu'à le dire simplement. Bon, je vais pisser. P-I-2-S-E-R. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui. C'est pareil, il me dit quelque chose. C'est un billet aller-retour plein tarif. Vous voulez pas de carte vermeille? Je prends rarement le train, mais mon billet est valable, non? Eh bien, oui, mais vous auriez pu économiser une jolie somme. Ah, je n'ai pas envie d'ergoter pour si peu. Eh, vous êtes un drôle d'oiseau. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Jusqu'à Stirling, hein? Oui, c'est ça. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas déçus. À cette époque de l'année, c'est complètement mort. Enfin, il y a quand même plein de pubs et un très beau château. Merci. D'accord. Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais ce mec me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, George. T'es fatigué, tu te trompes peut-être? Peut-être, mais peut-être. Je n'ai pas aimé cette façon qu'il a eu de te dévisager. Ah, ça c'est de la jalousie, ça, George. Vous pouvez reparler à la dame. Oui, mon chou. Pourquoi vous avez pas de carte vermeille? Non, d'accord. Tu ne veux pas rester tranquille, Georges? Mais il doit toujours épicer. Il faut que j'aille aux toilettes. En passant, tu peux voir ce qu'il y a au wagon restaurant? J'ai tellement faim que je mangerai même de leur nourriture anglaise. D'accord. Le fish and chips, c'est bon, mais par contre, la gelée, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un truc. Il y a des gens, on va parler avec ces gens. Tout ce qui retenait mon attention, c'était un énorme œil au beurre noir. Ah, et lui en train de picouer. Il était pas rasé et son visage fripé laissait à penser qu'il avait voyagé toute la nuit. Je n'avais pas trop envie de le réveiller. Pour ah bon franc, même avec un seau d'eau, je n'aurais pas pu le réveiller. Ça te donne faim? Ah ouais, moi la gelée, non, ça me donnerait pas faim. J'ai la tine là qui fait qui bouge toute seule. Ah, et Newcastle, d'accord. Ça doit être, je sais pas. Alors on s'amuse ? Des fans de foot peut-être ? Ouais, le mec ! Allez, viens avec nous. Vieux, réveille-toi, on a de la compagnie. Son haleine me faisait penser à... C'est moi ou il a vomi ? Excuse mon pote, il se repose. Il dort comme un ange. Je le réveillerai quand on sera à nos cases. Ah ! Oui, je l'avais pas vu. Enfin, je l'ai lié la phrase, mais je l'avais pas lu. Ouais. Non, tu vois, je... Oui, ça fait longtemps que t'as pas mangé de fish and chips. Toi aussi, la jeune homme, pareil. Vous avez déjà vu cet homme? Eh vieux, c'est Charlie Wake.
Ah. Non, c'est un tueur professionnel. Il se fait appeler Khan. Il est déguisé en vieille dame juste à côté. Bah ouais, bah il est déguisé en vieille dame. Ça c'est la boisson, ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur. Eh, tu veux nous avoir avec ce truc, vieux? Si je voulais vous avoir, je ne vous l'aurais pas montré, non? Ouais, bon, ouais, c'est pas faux. Que t'as raison, vieux. Mais si c'était un double bluff, hein? Ou alors du triple qu'est-ce bluff. Que vous êtes en train de boire? Ça sent l'essence. Eh, ça te mettra du poil sur le torse, hein? Et dans le cerveau aussi, j'ai l'impression. À plus tard. Rappelle les cheveux qui poussent à l'intérieur du cerveau. Je disais quand j'étais étudiant. Alors là, est-ce qu'il y a quelque chose? Absolument rien. D'accord, et on rentre bizarrement parce que là, on ressortait par ici. Et là, on ressortait par là. La caméra s'est tournée bizarrement. Bon, tant pis, on s'en fout un peu. Alors, ah oh, tiens, non, une tête connue. Le gangster de l'hôtel, Guido, eh bien il ne me faisait pas peur. Eh abruti, c'est un wagon non fumeur. Bon, il m'effrayait peut-être un petit peu. C'était pire, je réalisais soudain à qui le contrôleur ressemblait. Eklund, l'assassin de Marquet. Ah oui. La porte était verrouillée. Mage. Il n'y a pas l'air de m'avoir reconnu. D'accord, on peut pas aller plus loin. Bon, bah, on va retourner dans notre cabine. Je suis toujours pas allé aux toilettes. Non, il y a plus personne. Je n'aurais pas dû laisser Nico et la vieille dame seule. Brusquement, l'épée de Baphomet passait après la fille que j'aimais. Est-ce que vous avez vu les choses, les gars? Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type dans ce train qui veut me tuer. Calme-toi, vieux. Il tentera rien avec moi et mon poteau ici. On est des vieux de la vieille, hein? On a fait Brightling Sea. Je ne me rappelle pas une bataille ayant eu lieu à Brightling Sea. Écoute-moi bien, vieux. T'es dans de bonnes mains. D'accord. Savez-vous ce qui est arrivé à la jeune femme dans le compartiment voisin? Non, vieux. Et la vieille femme? Elle a perdu, hein? Elle a disparu. Et la vieille femme aussi. Je crois qu'elles sont en danger. Voilà, vieux. Une vieille dame aussi? Ouais, vous devez m'aider. Peut-être qu'elles sont aux toilettes, hein? Je ne le crois pas. Vas-y, elle serait passée devant moi. Toujours par deux, tu sais bien. Non, elle a été en paix, j'en suis sûr. Je dois la chercher. Qu'est-ce qui t'arrête, vieux? Le contrôleur, il ne faut pas s'y fier. Tu veux l'éviter, hein? C'est tout à fait ça, oui. Pas de problème. Si, les gars. Oui, ils sont à moitié bourrés, mais... Je pense qu'il doit être parti par là, sinon il serait passé devant moi, quand même. Je sais pas. Pas d'indice, y'a rien. Plus. Je pars par là. La porte était verrouillée. Ah, je pense savoir. La fenêtre semblait avoir été mouchetée d'innombrables petits flocons de mousse. Ah mais on peut peut-être l'ouvrir la fenêtre. Ouais. Fais pas ça mec, saute pas. Je n'ai pas l'intention de sauter, je veux grimper sur le toit. Ouais, la bonne blague hein. Regardez bien. Attends mec, je vais te donner un coup de main hein. Ah merci gars. Je paierai une Guinness en train d'arriver. Ou deux. Par contre, si non, j'ai rien dit. J'allais dire la ligne de ses cheveux est pas normale, mais si, le vent arrive de derrière, donc si c'est normal. Ok, on peut descendre là. Ah tiens.
T'as vu, c'est ça, les cheveux dans le vent. Oui. Ah bah lui. Ah bah ouais, c'est ce que je me disais. Ouh, il s'est pris une balle. J'avais toujours rêvé de stopper un train, c'était ma chance. Ah, ok. Boum. En même temps, c'était marqué hein, de notre stack. Vous nous avez sauvé la vie, mais pourtant ils ont stacké. Nous avons toujours été du même côté, Stobart. Des causes d'accord. Différentes, mais un ennemi commun. Les chevaliers du temple, ne les appelez pas ainsi. Les vrais templiers étaient de nobles ennemis. Ces barbares ne méritent pas ce nom. Ils sont pires que des hyènes. Alors qui sont ces donc c'est pas des chevaliers du temple alors. Pas ce que vous pensez, mon ami. C'est une arme, oui, mais que nos ennemis auraient du mal à manier. Une épée à double tranchant, un pouvoir plus ancien que de Molay, plus vieux que Salomon. Nous les arrêterons, d'accord, vous et moi ensemble, avec Nico. Non, Georges. Mon voyage s'achève bientôt au Jardin d'Éden. Vous parlez par énigme. Ne pouvez-vous me dire simplement après quoi ils en ont ? L'épée symbolise une énergie colossale. Ah là, il a juste dit qu'il était en train de mourir. C'est tout. Terrestre. Qui converge sur Saint-Ninians. Cette énergie dote les Templiers du pouvoir qui les a rendus si puissants. Un pouvoir qui les rendait tellement charismatiques qu'ils pouvaient contrôler la volonté de tous ceux qui les approchaient. D'accord. Comment vous êtes-vous échappé de la tête du taureau ? Vous savez, Stobart, c'est un long périple de la tête du taureau au village. Mais heureusement, je connais les sentiers sauvages. Ce n'est pas une bonne idée. C'est toi, non, là ? Allez, un petit coup, dernier titre. Puisse Allah vous guider vers nos ennemis. Merci. Encore une chose. Ah. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il est mort. Encore une chose. Oups, il est déjà mort. Ouais, comment tu vas, Nico ? Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas oublié. Détache-moi immédiatement, Georges Stobart. Mais oui. Quand elle avait pas un baillon ? Ce n'est pas honnête, Georges. Ouais, il est, ouais, t'as vu, il est bavard hein, pour un moment. J'avais les mains attachées. Quand Éclon m'a mis en joue, j'ai cru ma dernière heure arriver. T'en as profité pour un clutat. Mes mains étaient attachées. Georges. Georges, il faut descendre du train. Et Clown pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Et comment elle connaît son nom ? Quoique peut-être si on lui a peut-être dit, je sais plus. Il y a le symbole de l'Europe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. C'est l'Europe, mais très très ancienne, celle-là. Du coup, on peut descendre du train mais par là. Qu'est-ce que tu fais ? Je fous bah le d'ici. Pas cette porte. Tu veux finir comme Flap ? Pas spécialement. Ce qui reste de lui fait le voyage vers Londres. J'espère bah oui, il a fait Flip, Flap. Flap, il a fait Flip et Flap. C'est vrai quoi, il était bavard pour un mourant, le Khan. Mais du coup, je comprends pas. Un truc que je comprends pas, c'est qu'il c'est quand même, c'est nous tuer à la tête du taureau. Khan m'a donné quelque chose. Quoi donc ? Le sac qu'il avait à la main. Génial. Si on rencontre un tueur, on lui donnera un bon coup de sac à main. Il n'avait pas du tout d'armes. Mais si tu m'écoutais un peu, ce sac est bourré de C4. Wow. Ah oui, d'accord. Pourquoi ça, tu ne l'as pas dit ça va mieux. Bon sang, ils vont voir de quel bois on se chauffe. C'est quoi du C4 ? Du plastique, Georges. C'est toujours mieux que de la bakélite. Mi-flap derrière. C'est ça, et remi-flap derrière. 2 kilos. Sauf que le détonateur est cassé. Ah, ça c'est con, ça. On va s'acheter une boîte d'allumettes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut une petite détonation pour créer une grande explosion. Ce n'est pas franchement utile, alors. Qu'est-ce que tu lis sur ce panneau ? Apparemment, pendant la guerre civile britannique, au milieu du XVIIe siècle, cet endroit était utilisé comme dépôt de munitions. Et alors, qu'est-ce qu'il passait ? On pourrait trouver quelque chose. À ton avis ? Une petite étincelle ? Exactement. La tour est la seule chose. Ah ben non, on pourra pas. On pourra pas trouver quelque chose. Ça a déjà pété. N'a pas détruit l'épée de Baphomet. Vraiment ? Moi, j'espère plutôt qu'elle l'a réduite en miettes. Ah ouais, moi aussi, parce que si. Si c'est un truc qui contrôle je sais pas quoi là, ouais, au mieux qu'elle est pétée. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une porte. Et Nico s'est mise devant la porte. Au-dessus de la croix taillée, il y avait une inscription indéchiffrable. Pour autant que je sache, ça pouvait être du gaélique.
J'essayais de pousser la paroi, mais rien ne se passait. C'était prévisible. Pas fou. Alors on a quoi là? Une tête de démon avec 1, 2, 3. Non. 4 emplacements. Clignote. La poignée tourna facilement et la grande roue se mit en mouvement. Et une, deux. Ah bah, tout cassé encore. La poignée m'était restée dans la main. Ouais, tu casses tout. Maintenant que la poignée était détachée, il était facile d'enlever le rouage et l'axe. D'accord. Ok, tu peux rien faire de plus. Et encore tout cassé. Il y a peut-être quelque chose. Je farfouillais les décombres et trouvais une vieille pipe en terre avec la queue cassée. Ce truc pouvait avoir aussi bien 50 ans que 2 siècles. Mmh. Est-ce que ça va nous étudier? On peut encore cliquer dessus? Sous une pierre, j'ai trouvé une pièce de métal oxydée par le temps. C'était une vieille pièce de monnaie. Ah oui, elle est vert-verte. C'est sûr qu'elle est oxydée par le temps et pas, c'est pas une pièce en uranium. Parce que l'uranium dans les poches, c'est pas top. De boue, mais c'était un petit rouage avec son axe. Ah tiens, un rouage. Qu'est-ce qu'on a eu? Hop. Ça on l'a vu, j'ai trouvé une grotte secrète. Aussi, les corps des enfants kidnappés sur l'un... Ouais, sur un desquels je trouve ça bizarre. Sur l'un se trouvait la pièce d'échec manquante. Le fidèle valet a dû les cacher et ils ont attendu là, seuls et terrifiés, le retour de leur père pour finir par mourir de faim et de soif. C'est pas une belle mort, comme, hein. J'espère que la malédiction des deux Vasantzelios est enfin levée. Alors, toutes les pièces du puzzle avaient fini par s'imbriquer. 1314, une église, une rivière au beau milieu d'un champ de bataille, une bataille inégale. Tout indiquait la bataille de Bannockburn. Burn. Lors de laquelle une petite armée écossaise avait vaincu une armée anglaise bien plus nombreuse. Selon la légende, les Écossais avaient été aidés par les Templiers. Ouais, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Nico et moi partions pour l'église de Saint-Ignan, près de la ville de Stirling en Écosse, où se déroula la bataille de Bannockburn. Bobino ne pouvait pas venir avec nous. Oh non, quel dommage. Vraiment, je suis déçu. Khan a dit que l'épée de Baphomet représentait un pouvoir énorme, une énergie émanant de la terre que seul celui qui tenait l'épée pouvait contrôler. Apparemment, Khan avait toujours été de notre côté. Il avait, comme les membres de sa secte, au Moyen-Âge, un énorme respect pour les Templiers, mais il savait que ceux-ci étaient des imposteurs. Ah oui, mais que ceux-ci, les néo-Templiers, quoi. Il est mort à présent, et c'est à Nico et à moi de jouer. Nico et moi, ça me plaît. Ben j'imagine que ça va se mettre là-dedans. Oh, attends, peut-être Nico, il a peut-être une idée. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Je mémorise définitivement cette inscription. Tu arrives à la lire? Non. Je mémorise cette inscription. Ah bon? Non, je glande. Ah, t'as vu, ben tiens, ah oui, ben il l'a noté, hein, que ça lui fait plaisir d'être avec Nico. Et qu'il est bien content que ce... Son deuxième prétendant ne soit pas là. Alors, imagine que les rouages vont dans les yeux. Ouais. Deuxième œil. Dans un crispement de métal sur la roche, je plaçais le second œil dans l'orbite. Ok. Beaucoup moins effrayant d'un coup. Et ça là? Je poussais la poignée dans la bouche. Les engrenages s'ajustaient. Parce que là, je voyais un petit truc, mais je voyais pas de trou. Sésame, ouvre-toi. Ça aurait marché aussi. Et j'ai récupéré la poignée. Dès que je vis les torches vacillantes, je réalisais que ces faux templiers nous avaient devancés. Mais où étaient-ils maintenant? Et pourquoi étaient-ils si calmes? Alors moi, la question que je me pose, c'est pas où ils sont, ils nous ont devancé, tout ça. C'est la seule entrée. Comment ça se fait qu'on n'a pas retrouvé les rouages sur le diablotin? Pourquoi?
Normalement, enfin, s'ils ont réussi à rentrer, ils ont fait la même chose que nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Nico ? Il y a les torches. Quoi ? D'accord. Laisse cette torche là où elle est. Mais pourquoi ? Tu n'as pas remarqué, cette crypte est pleine de poudre. Ah oui. Et alors, tu n'as pas confiance en moi ? Ce n'est pas une question de confiance. Non ? Tu peux. Je suis débile, c'est ça ? Ne fais pas l'enfant, Georges, et baisse d'un ton. Je crois avoir entendu quelque chose, comme une prière. D'accord. Est-ce qu'on s'en irait pas plutôt, Nico ? On dirait que les Templiers sont passés avant nous. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, on a encore une chance. J'aimerais partager ton optimisme. C'est aussi mon avis. Parfois, t'es tellement défaitiste. Oui, mais j'aimerais bien partir là. J'ai pas envie de péter, de brûler, de... je sais pas. Il y a quand même de la poudre là. Beaucoup de poudre. Écoute, ce sont des gens en train de prier. Maman est près de toi ? Tu as raison. Je les entends aussi. Qu'est-ce que tu crois qu'ils fabriquent ? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une de ces messes noires pornographiques. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller, alors ? C'est une messe noire. M'étonnerait pas que ce soit une messe noire pornographique. Cet endroit est plus ancien encore que les Templiers. Ah bah si on y allait alors ! C'est Baphomet. Enfin la vérité. Les Templiers ça, c'est Baphomet, ça. Jamais adoré une idole, pas plus qu'un arc-en-ciel. Mais ils voyaient en l'arc-en-ciel le symbole d'un lien avec Dieu qui leur indiquerait le chemin. D'accord. Mais lui, il me dit quelque chose, il sait... Ah oui, c'est le Spectre. Double jeu. Traître. Au contraire, l'inspecteur Rousseau est un modèle d'obéissance. Qualité importante chez un Templier. Maintenant, taisez-vous et regardez si vous voulez rester en vie. Frères Templiers, nous sommes réunis ici pour assister à la refonte de l'épée qui fut brisée. Ici, devant la sentinelle de Dieu, Baphomet, grand maître et chevalier de Baphomet. Nous vous saluons et vous jurons obéissance. Je vous salue, gardien de la voûte du temple. Cela fait 7 siècles que notre plus grande arme, l'épée de Baphomet, nous fut ravie. Maintenant, elle a l'air bien nous l'épée. La reforger et la brandir face à nos nouveaux ennemis. Nous devons mener le peuple vers un nouvel ordre dans lequel les frontières seront abolies. Tout sera unifié sous la croix rouge des Templiers. Non, la croix rouge, ça existe, hein, c'est... Ils font pas ça avec des épées. Ouais, il y a une tension ici. Ah bah, il est pas mort. George, vous avez été un adversaire étonnant, mais vous réalisez à présent que vous aviez été trompé par nos ennemis. Nous rêvons tous deux d'un monde meilleur. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Nous avons besoin d'hommes déterminés et ingénieux tels que vous. Rejoignez-nous, Georges. Joignez-vous à notre confrérie. Bien sûr. Quelle confrérie ? Frères ? Et Marquet, Epigram et Klosner. Ils étaient vos frères, eux aussi ? Trois hommes sont morts et non, c'est pas faux. Georges, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Tous les grands projets. Mais joindre à vous ? Plutôt l'enfer. Ah, Georges. J'avais mis beaucoup d'espoir en vous. C'est qui en fait ce type ? C'est la guerre. À part le grand-mère. À part le grand-maître. On l'a jamais vu. Comment il connaît. Mais il tape pas ma copine. En futur. Ah, bah il est mort. Voilà, un sacrifice de plus. Je le jure. Je voulais que tout se passe bien. Ah bah lui aussi est mort. Et tout le monde meurt là. Ils ne s'échapperont pas. Ah non, parce que j'ai pas les trucs. Bene, bah ouais, ah tiens, Guido. Mais c'est ce fameux détective et son adorable assistante. Ce sera une c'est pas une assistante. Tous les deux. George, c'est une amie et plus si affinité. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Le grand maître, un mégalo sans pitié qui manipule tout ce qui entoure. Un assassin qui perpétue un conflit du Moyen-Âge au nom d'un honneur passé. Ouais. En plus, c'est même pas un templier, si j'ai bien compris. Ah, c'est de la folie et c'est tout à fait logique à la fois. L'épée, une énergie colossale, un pouvoir divin. Ah, c'est un lien avec les anges, l'occasion d'apprendre les arcanes et les secrets divins. Un pouvoir que les templiers ont eu avant de le perdre. Pas étonnant que ces néo-templiers veuillent tellement reforger l'épée. Quand Edward II a mené l'armée anglaise à Bannockburn, c'était certainement ce qu'il avait en tête.
Et c'est pour cette raison que les Templiers sont intervenus pour l'arrêter. Ah, c'est possible. Ils voulaient piquer le pouvoir. Bah ouais, allez, vas-y, c'est bon. On est résigné. On va tout faire péter. Allez, Nico, on se sauve. Idiot ! Ah bah non. Vous ne pouvez pas nous échapper, Guido. Arrête-les. Ma, maître, la poudre. Cette poudre date de la guerre civile, abruti. Elle a plus de 300 ans. Comment veux-tu qu'elle explose? Ah bon, ça va, on va mourir. Mais Nico avait encore un tour dans sa manche. Ou plutôt dans son sac, pour être exact. Un sac ah, oui. rempli d'explosifs. Peut-être, mais ce truc est flambant neuf. Oui, c'est bon. Ah bah oui, il y a le C4, c'est vrai. Souffle dessus, Udo, t'as raison. Ah bah... C'était ce qui restait de... C'était la seule tour qui restait parce que la poudre avait pété. Oh... Il avait raison de dire qu'il était content d'y aller avec avec Nico. Il a réussi. Nous ne sommes pas mais c'est vrai qu'il en reste encore moins, ouais. Genre, j'avais des vacances à rattraper et j'avais un article à écrire. Bien sûr, ce ne serait pas la véritable histoire. Mais il y aurait assez de contenu pour en faire une page et payer mon loyer du mois. Eh ben... Georges et moi avons passé du temps ensemble à Paris. Ça fait cher la page. Je lui avais fait découvrir mes restaurants préférés. Et il m'avait raconté ses meilleures blagues. Tu vois, Nico, j'ai tellement de souvenirs dans cette ville à présent. Les cafés, la musique. Les égouts. Ne m'en parle pas. Et le clown. Les jongleurs. Oh, et aussi ton pote Lobino. Oui, ce cher André. Ton pote Lobino. Quand nous nous sommes rencontrés, je menais mon enquête et puis tu as disparu un certain temps, Nico. Est-ce que toi et Lobby... Non, ils ont eu le temps de se cacher derrière une tombe. Quelque chose, mais ça n'avait rien à voir avec André. Ils se sont fait projeter contre une tombe, je crois. Ça avait un rapport avec le passé, il fallait que je m'en occupe seul. Alors c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, c'est terminé. C'est vrai, c'est des héros. De ces vieux couples d'Irlandais et ça n'est jamais blessé. Non, mais je suis sûre que tu vas le faire. C'est un vieux couple d'Irlandais. Ils sont mariés depuis des années, peut-être 50 ans. Mais je veux savoir la fin de l'histoire, moi, avec le couple irlandais. Oh. C'est vrai. Mais comme dit Sobeka, c'est des héros, donc du coup, ils sont jamais blessés, les héros. Même pas une égratignure. Quoi que je me demande... Je suis pas sûr dans celui-là, mais je crois que dans le prochain, dans le deuxième, je me demande si tu rates certains... Enfin, rate. Si tu cliques pas au bon moment, je crois que tu peux te faire tuer. Je suis pas sûr dans celui-là, plante. Pourquoi t'as pas aimé le jeu? Bah, j'ai pas eu la fin de la blague. C'est vrai. Oui, dans le 2, ouais, c'est certains timings que si tu les rates, tu... c'est dans le 3, je crois. Je sais plus. Je sais plus dans le 2. Je l'ai fait juste après le 1, moi. Perso, il y a pas longtemps. Et je sais plus. Et le 3, je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini. En fait, je me dis, je vais plutôt découvrir. Passage avec un bateau. Dans lequel, dans le 2? Ou t'as recommencé plusieurs fois parce que t'as même moins timing. Ouais, mais c'est possible. Je crois que ouais, dans le 2, ils l'ont mis. Ils ont mis. Enfin voilà, bah du coup, j'ai malheureusement pas préparé la scène pour le 2. Donc du coup, on pourra pas basculer sur le 2 ce soir. C'est pour ça je vais arrêter le live maintenant. Ah, t'as joué quoi 2, d'accord. Ok. Attends, t'en as fait aucun magasin. Oh, c'est pas mal, après faut aimer le genre point and click aussi. Alors le 3 fait comme Escape from Monkey Island, c'est-à-dire qu'ils sont passés à la 3D, il n'y a plus vraiment de point and click. Tu te déplaces avec une manette, enfin voilà, ou avec le clavier. Beaucoup moins de point and click, mais par contre, voilà,
Je crois qu'après, j'ai pas joué au quatrième, mais je crois qu'ils reviennent au point and click. En fait, ils ont suivi un peu Monkey Island sur les trucs. Sauf que bah, Monkey Island, le premier, est sorti avant le premier Chevalier de Baphomet. Ouais, c'est tout. C'est même pas d'où t'avais eu le CD des Chevaliers de Baphomet 2. Et voilà, donc du coup, ouais, je disais, on va s'arrêter là. Pour le live, hein, du coup. Ah oui, tu l'as peut-être vu dans un paquet de céréales. Après, je sais pas si ils ont fait une opération révolution. Je sais pas s'ils ont fait une opération avec des paquets de céréales, mais c'est possible. Hein. C'est vrai qu'il y avait une certaine époque, tu pouvais avoir des jeux dans les paquets de céréales. Bon, en tout cas, ouais. Donc, après, voilà. Après, moi, le genre me plaît. C'est un genre qui m'a toujours plu, que j'ai joué quand j'étais petit, donc forcément je vais être Baphomet, ça me plaît. L'histoire est pas mal aussi. Un peu alambiqué hein, à certains moments. Hein. Comme là, le coup de l'épée de Baphomet, au final, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une épée. J'ai l'impression que c'était les deux totems qu'il y avait sur le côté, qui faisaient un genre de pouvoir, mais après c'est sympa. C'est sympa, et puis cette possibilité de jouer en fait avec deux personnages aussi, c'est pas mal. Là, le truc de pouvoir basculer avec deux... Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé dans les Monkey Island. Pouvoir incarner Elaine. Tu peux incarner et genre. Enfin, tu choisis pas. C'est l'histoire qui fait que tu incarnes George ou tu incarnes Nico. Mais tu peux incarner les deux protagonistes de l'histoire. Alors au final, Elaine est aussi un des personnages principaux de Monkey Island. L'intrigue tourne toujours, si tu rappelles Monkey Island, tourne toujours autour de Guybrush. Normal, c'est le personnage et le héros, c'est. Voilà. Le Chuck, c'est la Némésis, c'est normal. Mais il y a toujours Elaine. Donc tu vois, par exemple, dans le premier, où elle arrive à se subtiliser au mariage avec le Chuck, et à habiller trois singes en mariée, ça aurait été sympa de pouvoir le jouer, moi je trouve. Ça aurait été vachement sympa, de toute son échappatoire, de pouvoir le jouer, parce qu'elle fait pas mal de trucs, hein. Quand elle va sauver Guybrush dans le 2, pareil. Hein. Ça aurait été sympa de pouvoir jouer Elaine qui recherche où a pu se pointer Guybrush et aller récupérer Guybrush. Voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là pour le live. Hein, du coup. Alors pour vous qui avez regardé la rediff sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous à tous.